sera ceux qui ont le cerveau. Oui, Collins. Parce qu'on peut parler. Je vois, il dit que parlons peu, parlons bien. Je vais parler sans langue de bois. La blogueuse qui a le charisme linguistique, c'est la reine Mère Bio. Et il n'y a pas photo. La blogueuse qui a le charisme linguistique, c'est la reine Mère Bio. Pour deux raisons. Quand elle parle, sujet, verbe, complément. Quand tu vois Nadia, elle ne va pas parler. Tu dis que, oh, la cible, c'est oh, oh, c'est rissé. Quand tu entends Lolo parler, oh, c'est rissé. Je ne les insulte pas. Non, je ne les insulte pas. Ah, mais tu seras avec nous le 12 avril au conseil de Charlotte. Oui, je serai avec vous. Dis-moi un peu, le conseil de Charlotte, c'est où? Mais Collins, tu m'invites, je viens. Collins, tu m'invites, je viens. Je sais que Collins, tu es allé à l'école. Dans la phrase que je viens de dire, Collins, tu m'invites, je viens. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Pas faire comme les autres, que quand ils veulent m'inviter, aussi la sorte, c'est juste là-bas, ils changent l'invitation. Toi, moi, je sais que tu es courageux. Donc, je continue. Ne tournons pas de sociaux. Parce qu'il a compris que comme il n'insulte plus les femmes, il est venu si l'autre jour sur Facebook, sur TikTok, il était mort de rire. Parce qu'on a dit quand même sur TikTok, eux aussi vont venir. Ils n'ont aucune analyse de la situation socio-culturelle de leur pays. Rien. On vient parler ici. On vient nous raconter de la merde. Oh, ma mère est morte. Tu as insulté ma mère. Oh, Nadem va pas faire que... Ça, Nadem va pas, ça a 50 ans. Vous pensez que le niveau intellectuel de Nadem va pas lui permettre. Elle sait même ce qu'on a fait. Elle pensait que putain, être blogueur, c'est parce qu'on t'envoie les étoiles. Mais vous êtes terrible. Vous n'êtes que des bordels, des waka. Ouais, merci Samy. Il a envoyé le cadeau. Ouais, Sabine, comment ça va? Ouais, Sabine. Oui, Amel Kamel, c'est un gars qui tape cette, il dit des vérités. Quand on voit toutes ces vieilles blogueuses, que le piment ne donne plus, elles ont d'abord un piment très froissé. Les Arabes ont concassé ça partout. Il faut être bête, quand vous vendez le piment, venez même nous voir, nous on a les vrais argent. Tu m'insultes tous les jours, Amel Kamel, gigolo, pour aller donner ton piment là-bas à combien, à 30 euros? Ouais, Seigneur, oh la dame, papa, oh. Quand elle voit que les vieilles mères comme ça qui volent les soutiens dans les supermarchés. Oh, Amel Kamel, ploxo. Vous savez que vous êtes interdit de venir à Bible, non? Voilà. Peut-être les gens pensent qu'elles sont interdites de venir à Bible. Aucune bordel camoufle ne peut mettre. Il y a la police au niveau de la gare. Quand on voit les bordels là-bas, on trouve vite. Voilà, Nadem Bapa, ta catégorie maintenant, c'est Oshiga. N'est-ce pas que ça vaut du moins cher? Tu es là où tu dis que oh, Oshiga mendiante. Tu es dans les réseaux sociaux. Tu n'as même pas honte. Tu es une des graves pimentières. Mais Nadem Bapa, va à ton niveau de pimenterie. 30 euros. Viens-moi, je te donne les 30 euros. Eh, franchement, Antoine Bachot, c'est pas ce que tu cherchais. Eh, Seigneur. Ouais, les enfants, les gens ont les mains des bordels. Quand ils voient qu'Antoine Bachot, heureusement qu'il est là, ou bien il est aveugle, ou bien il est myope. Antoine Bachot, quand tu vas sortir à un femme pour Nadem Bapa, Nadem Bawaka. Quand tu sors à un femme pour Nadem Bapa, toi-même. Il n'avait pas les nains le jour là. Il dit que, hein, Antoine, tu as un vieux prénom. C'est normal même que tu sortes à un Nadem Bapa. Parce que les vieux prénoms comme ton prénom là, tu me dis seulement les Nadem Bapa. Là, on ne peut pas te sauver. D'abord, tu es avec tes lunettes, on dirait que tu es mieux. J'espère que ta nouvelle là, que tu as aujourd'hui. Je ne sais pas quel genre de test tu as fait. Parce que quand tu sors avec Nadem Bapa, c'est comme si tu es sorti avec tout. Avec que c'est comme si tu es sorti avec tous les agents de sécurité de la cuisine. Tu ne vas jamais voir ces personnes rester comme ça dans une cuisine. Je vais prendre, pardon, ne dis pas que j'insulte Lolo. Lolo, pardon, ne t'insulte pas. Pardon, ce n'est pas le clash. Je n'ai jamais vu Lolo faire la cuisine. Jamais. Elle tape la bouche tous les jours. Oh, 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 oh. Lolo fait la cuisine, non? Nous sommes bien d'accord que le clash est insulté. Nous sommes bien d'accord que clasher, c'est insulté. Là, je n'insulte pas. Est-ce que vous avez déjà vu Lolo faire la cuisine un jour?
Ah, oh yo, ah, 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 ah. Attends, mets bien la caméra, vous voyez, non, maman va ma part. On va pas dire qu'Amer Kamel. Voilà, ça va ma part là, Amer Kamel au boulot. Hey, Collins, tiens, vois les étoiles. Ouais, Collins. Collins, attends les matchs, pardon, attends les matchs. Je vais lancer les matchs tout à l'heure. Attends d'abord, ouais, là, on a un bon Kumbusa. Parce que je dois traiter toutes ces filles-là. Je dois les changer par force. Oyo, Oyo, quand tu as changement. Aujourd'hui, on voit les jeunes blogueurs. Collins, je vais te dire quelque chose. Tu es très rationnel quand tu parles. Très rationnel. Et franchement, dans la nouvelle version des blogueurs qu'on est en train de mettre en place, Collins, je vais te... On voit une catégorie de vieilles femmes dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ouvre, je vois Laurent et je dis que oh, oh, la vie, c'est un calcul. Je vous le dis en toute sincérité. La vie est un calcul. Si vous n'avez pas compris ça, tant pis pour vous. On ne fait pas des guerres pour faire des guerres. Chaque fois que la guerre est un moyen pour faire entrer l'argent dans un pays. La guerre est un moyen pour faire passer quelque chose par force. Je vous le dis. Vous avez compris quoi? Bon, vous les femmes là, je vous avais toujours dit. Quand une femme a les enfants, avoir les enfants, ça veut dire que quoi? On n'a pas assez de temps. Quand tu regardes enfant, tu regardes temps. Mais on voit des vieilles femmes dans les réseaux sociaux. Il y a l'autre bordel qui est en Allemagne là. La Waka, si c'est un virus, Lydia Sida. Une fille qui a 8 enfants à cause des allocations familiales. 8 enfants. Voilà donc comment c'est pratique. On vous demande d'avoir des hommes de dernière génération. On vous demande d'avoir des hommes de dernière génération. Pendant que l'anga est en train de... d'arranger la chambre, le gars au salon, on l'optimise, parce qu'après le soir, on est dans les réseaux sociaux. Vous êtes là. Quand tu es pressé, ça veut dire que tu consacres un week-end, tu payes les condiments, tu écrases. Ça, c'est l'oignon. Ça, c'est... Personne n'a vu. Un poilata. Tu m'as appelé comment? Tu m'as appelé comment? On t'appelle poilata, sinon. Tu m'appelles comme ça? Ça évolue, hein. C'était ma poilu, maintenant c'est poilata. Maintenant c'est poilata. Hey, maintenant c'est ma poilu. Viens, 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 quand même. Viens montrer le sein. Quand tu me mets sur la, à l'hôtel de ville, comme les blagues. Que le loup faisait quoi? Pardon, oui. Même pas prononcer. Quand tu parles, pardon, attends que je sois loin de la caméra, pardon. Pardon. Je veux pas que les gens fassent les deuils, c'est mon nom, les victimisations toute l'année. Nadine Papa n'a pas dit que tu étais à télé. Nadine Papa, vous aussi, attends un peu. Elle, c'est un bordel. Elle, c'est un bordel. Hein. Oui. Nadine Papa, vous aussi, mettez tes photos sur. Elle prenne sa retraite. Maman. Coucou. Mais oui, hein. Nadine. Le piment, c'est comme. Le foot. Bah, non, non, non. Je vais on ne peut pas faire une carrière dans la pimenterie aussi longtemps. C'est pas bah, bon pour les neurones. Papa ne peut même pas être entraîneur. Parce merci, que... Collins. Oh, merci, Collins. Papa ne peut même pas faire plein la retraite. Quelle, quelle expérience. C'est la seule pimentière qui fait le piment à 20 euros. Tu sais qu'elle vend le chirou là à 30 euros. Je te jure. C'est les Arabes. Les Arabes, on est à concasser ça, fatigué. Bonjour, grâce. Maman, tu sais que même mes doigts, que si moi mets mes deux doigts dans ta part là, ça va bénir, ça va bailler, ça va bailler comme ça là. Tu sais la chute de complicité, la chute de Lolo, c'est où? C'est où? Maman, quand tu as la reine Mère Bio qui te laisse tomber, quand tu as Patricia qui te laisse tomber, et que maintenant quand on te dit que ton moteur de. Ouais, Collins. Donc voilà, voilà l'argent de ton ami, de ton ami ultra glamour qui l'entend envoyer comme ça. C'est ça non, Collins? Non, Collins a dit qu'il m'invite. Je suis invité longtemps avant toi. Hein. Non, il a dit je t'invite. Oui, il t'invite de ton côté, il m'invite de mon côté. Voilà, je ne veux pas l'embouteillage là-bas. Mais moi, on m'a invité depuis avant toi. Ouais, je ne veux pas l'embouteillage. Tu devais trop venir signer dans les choses. Je ne veux pas quand il sera. Collins, dis-lui que tu m'as invité avant. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Il a bien mentionné, c'est bien ça. Je suis en couple là-bas avec Paul Kam. N'oublie pas ce que je t'ai. Pokam aussi dedans maintenant. Maintenant tu appelles Pokam. Mais maman, j'ai déjà l'invitation avec Pokam, je te gère pas. Mais moi, il n'est pas avec Collins. Pokam, tu vas aller avec lui. Bon, mais Pokam, tu es en couple avec qui? Oui, allô? Oui, bon, entre moi et Oshika, tu es en couple avec qui vraiment? Parce que toi, depuis là, j'ai vu. Bon, dis-moi, tu sors pas avec. Quoi? Bon, Pokam. Bon, Pokam. Je vais aller avec toi, le bébé. Voilà. C'est qui le bébé là? Tu vas pas dire de nom, hein? Faut pas aller changer après.
Voilà. Vous avez écouté. Pour quand même couple à mes camés. Il y a 400 personnes sur Facebook actuellement. C'est-à-dire qu'il faut que vous allez officialiser ça sur Facebook. Voilà. J'irai avec ta mère à la soirée. Parce que c'est mon mari, mon bébé. Ouais. De toute façon, je m'en fous. Hein. Je vais avec Collins, le porteur. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et puis c'est notre soirée à la base. Hein. C'est vous qui venez me jeter. Tu sais que pour quand je voulais dire. Tu sais qu'elle a jumé avec pour lui un jour qu'elle est l'élé. Je ne sais pas de qui tu parles. C'est elle qui avait dit. Ah, je ne sais pas de qui tu parles. Je sais seulement qu'elle est des abeilles. Le reste, là, moi, je ne sais pas ça faire. Donc, bref, comme tu l'as dit. Bref. Continuons. Le 30 mars, je suis à Nantes, à l'espace Montluc, rue Guillotière. Je serai avec Amé Kamé, Pokam, Ma Pépé et la grande sœur Ruth Coton. Donc, vous tous là, qui dites que tu chantes quoi, venez donc entendre ce que je chante le jour là. Comme ça, après, vous pourrez critiquer. Vous aurez au moins des éléments pour critiquer. Ouais, non. Voilà. Et tu sais qu'il y a quelqu'un qui habite à Nantes? Je ne connais moi personne qui habite à Nantes. Oui, connais les gens qui habitent à Nantes. Hôtel Campa. Pokam. Misou mon Collins. Pokam. Tu ne connais personne qui habite à Nantes. Amé, attends, je vais vous rappeler. Non, tu vas laisser. Hey. Allez. Chef. Hey, maman. Ouais. Ok, Pokisou, tu rappelles. Vrai, vrai. Je ne l'appelle pas. Pokam, donne-moi le nom de la personne. Voilà, il repart dans la chambre. Bon, Pokam, la meilleure copine de Aïcha Kamwa. Pokam, c'est que j'aime Aïcha Kamwa maintenant. Tu veux toute une clé alors? Je dis qu'on va tailler son crayon là, jusqu'à il ne va plus rien rester sur ça. Aussi, dans notre team, il y a toi, Olivia et Mini Minor avec deux caviar. Laisse Pokam y aller. J'ai compris, bébé, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, là où tu... Continue nos choses. À parler des gens comme d'habitude, c'est où tu travailles? Mais c'est à ça que c'est une copine, papa. Non. Une copine, à critiquer. Quand on ne critique pas les gens, papa. Mais copine, ça va quoi? Si on ne peut pas critiquer, on fait quoi? Nous-mêmes, il y a quelqu'un qui nous fait ça dur quelque part là-bas. Donc nous, on ne va pas se laisser, il faut équilibrer les forces. Bon. On continue. Ah mais tu as lavé les trucs, c'est comme ça. Donc c'est lavé. Tu m'appelles la mère comme ça, on a fait les bancs ensemble. C'est monsieur. La visibilité, j'ai l'impression que là, comme il t'a donné la visibilité là, elle pense qu'elle est arrivée. Bébé. Ne m'appelle pas comme ça. Tu là, ne m'appelle pas comme ça, comme ça. C'est monsieur Amé Kamé, si tu permets le respect sur moi. Tu m'appelles bon, bébé. Bon, monsieur mon amour, c'est lavé comme ça. Monsieur mon chéri. Vos trucs de blanc que vous faites la cause à appeler vos hommes. Non. Tu dis Amé Kamé ou bien le qui? Monsieur mon bé. Attends. C'est ma papa, quand il parle, il vient, tu entends le camarade disparaître. Quand il me suit, mon amour, répond. Je suis dépassé. Ah, la joie est trop villageois, le gars-ci. Beau Indy. Beau Indy. La Indy. Ouais, ok. Anna. Tu dis qu'un suite en bas, ça, c'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Qui? Il y a un gars qui a la chance ici dehors. J'ai sauvé la carrière d'Oshiga dans l'amour. Maman, ils n'avaient pas le gars qui pouvait sortir à Oshiga. Hé, maman. Ben, c'est le médicament que tu m'as donné. Trop de partage. Trop de vidéos. C'est quoi? Que ta page en rouge parce que tu partages trop les trucs. Non, ma page n'est pas en rouge. Elle est pas rouge. Mais on est restreint. Non, c'est sorti du rouge. Oui, c'est pas en rouge, mais on est restreint. Le RPM. Non, ça a chuté, m'a pas chuté depuis. Tu sais pourquoi ça a chuté? Il faut arrêter, tu n'as pas partagé un contenu à l'air. Tu veux que je partage ton contenu, si tu as posté la même vidéo, regarde ce que Aïcha, on est passé jamais la même vidéo. Hein. Chaque personne monte avec sa touche dessus. Si je vois que tu as partagé la vidéo, tu as fait comme ça. Je pense que je coupe la contenu sur ça. Non, pas comme les partages ne dérangent pas. Moi, ma page principale, je ne partage rien là-bas. Ma page principale, je ne partage pas les trucs, mais elle est aussi restreinte. Hein. Non, je te dis que ne partage pas les trucs. Ne poste pas les mêmes contenus que quelqu'un a posté. Tu verras que ta page. Non, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Je crois que c'est les signalements qu'on a eu qui affectent notre audience. On ne le fait pas. On ne partage pas les contenus des autres.
enfin, on partage les publications. Amen, partage, le repartage, non. Ils aiment me voir. C'est moi qu'on aime voir, maman. Alors. Hey, voilà. Syndicat, tu es oh, syndicat, oh, maman, oh. Syndicat, la magie de ça. Ouais, la tic. Il dit que, hey, voilà les légendes de TikTok. Ça fait trop plaisir. Syndicat, hey, non, je te peindre d'abord. Voilà, est venu vous êtes la syndicat, pardon. Hey, hey. Oui, oui. Il est venu. Syndicat, je te peindre. Ouais, on parle même de quoi. Syndicat, montre-la que sur TikTok, tu as le bâton du commandement. Comme il nous donne trop le. Il nous manque trop de respect ici là sur Facebook. Il nous manque trop de respect sur Facebook. Hey! C'est que Facebook il ne respecte pas le travail des créateurs de contenu. Hein. TikTok il respecte. Syndicao c'est une femme, moi je sais. C'est eux là qui croient que. Moi je sais que tu es une femme. Et c'est les hommes qui sont fidèles comme ça là. Ce sont les femmes. J'allais partager le live s'il vous plaît. La page est très 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 restreinte. Vraiment. Partagez massivement. Syndicat, abonne-toi chez moi également, hein, au Shiga. Pardon, c'est, prenez l'abonnement sur la page d'Amérique, mais s'il vous plaît. L'abonnement, c'est 5. C'est combien, bon, je pas? C'est 5. Tu veux monter les fesses au jardin? Ça ne se voit pas. Tu es vraiment cool, hein. C'est qu'est-ce que tu as acheté? Oh, maman, tu es plus. Il dit que je dis un peu, maman, tu as la chance, tu es plus grand de taille qu'Acha. Bah oui. Maman, quoi? Il ne fait pas quoi? Il connaît plus pas. Ah, ouais, non, je dois. Non, oh, je vais tout te tromper. Tant que les femmes avec qui tu me trompes la cuisine et puis je mange, il n'y a pas de problème. Aïe, syndicat est déchaîné, oh, c'est ça la même. Oui, voilà, c'est ça la même. Vous pensez que quoi? Le Congo, ça est devenu payant. Oui. Vous pensez que. Pourquoi on a dit nos gens de TikTok à venir sur Facebook? Voilà. Ouais, c'est vrai en plus. Merci Syndicao, merci, merci, merci. À moins qu'on t'a vu ici préparer le poisson bongo. Non, oui, Syndicao, c'est ça. J'épingle les donateurs. Respectant Koulos. Attends, épingle ton commentaire ici. Les gens doivent savoir que j'épingle maintenant mes lieutenants. Oui. Ah, mais personne de TikTok contre ça. Eddie. Bon, les gars. On continue comme je disais tout à l'heure. On voit la nouvelle génération des vieilles femmes de Facebook là. On les a jamais vu préparer. Vous avez vu quelle femme de Facebook préparer? Le groupe, le clan de mes sangs, mais c'est saleté. On arrive maintenant. Vous êtes là, vous êtes incapable de donner. Oh, je n'ai pas vu le gingembre. On ne peut pas manger un poulet sans gingembre. Il faut toujours mettre un peu de gingembre. Très important, un peu. Oui, un peu de moutarde aussi. Oui, merci. Je vais mettre la moutarde aussi. Thank you. C'est même ça. C'est bien. Voilà, un peu de moutarde aussi. Hein? Voilà, on va dire, on dit quoi, amen. Voilà ça. Quel article ne va pas sortir un gars comme moi? Faut laisser la bande des bordels, les vieilles wakas fusées de Facebook là. Hein, tu m'as fait quoi? Hein, personne n'a jamais. Vous n'allez jamais entendre parler ces femmes parler d'éducation. Vous n'allez jamais entendre parler que ces femmes ont parlé de quelque chose. Là, une petite pincée. Voilà. Et maître Shaolin. Mais jamais, quand même. Les gars qui veulent sortir avec moi là, ça sera compliqué pour vous. Hein. La manière qu'Oshiga a mis la cale là, mais Oshiga c'est non. Elle sait que c'est fait l'erreur. Si elle tourne le dos, même quand elle ne tourne pas le dos, elle sait que si elle fait hang, les filles vont faire hangas. Elle sait elle préparer. Elle pensait que sortir avec un gars comme ma mère, Kamel, ça. Ça dit que je ne me vante pas, non. Sortir avec un gars comme ma mère, Kamel d'abord. Ma mère, Kamel, c'est le genre de boy que d'abord. 53 cm, le gars est prêt. Petite cuisine avec un peu d'huile d'olive, le gars est prêt. On nous apporte des femmes qui arrivent sur Facebook. Elles ne veulent pas changer le concept. Les gens ne veulent plus clasher. Sortez des contenus créatifs. Parlez-nous de l'évolution de la femme africaine en Europe. Parlez-nous des systèmes qu'on peut, où les gens peuvent bénéficier. Vous allez toujours couper. Mais... Oui, réserve le Provence. Maman, tu connais. Oui, Nathalie. Nathalie, quand tu vas syndicat, envoyer les cadeaux là, ça ne te pose pas de problème. Hein, ma? Comme la malédiction. Faut toujours qu'elle montre que je suis chez elle. Faut toujours qu'elle montre que oui, le gars là est chez moi. Après, c'est la vérité, non? C'est la vérité. Mais si on a des sujets, on a des sujets vraiment, vraiment, vraiment importants. Oui, on tape, on envoie les cœurs. On va mettre, on va maintenant parler de quelque chose.
on va parler de quelque chose pour les gens, je vois les gens parler. Les gens m'ont dit l'autre jour, Amer Kamer Messan, c'est ton grand frère. Amer Kamer, arrête de parler de Messan. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Mon frère, c'est mon follower, c'est celui qui suit mon contenu. Je ne suis pas dans vos esprits tribaux. Ou parce que Messan est Bassa. Parce que non, je ne suis pas dans ça. Ouais, la femme, tu parles trop, ouais. Je ne suis pas dans ça. Je suis un gars vrai. Les gens me suivent parce qu'on sait qu'Amer Kamer, c'est un gars vrai. On sait qu'Amer Kamer, ce n'est pas le genre de gars qui tourne. Non, Amer Kamer, c'est un gars vrai. Donc, dans une histoire où je vous ai expliqué tout à l'heure, la plus charismatique, linguistiquement parlant, c'est la reine Mère Dio. Elle a des sujets complémentaires. Il n'y a pas de souci. Elle a des sujets. Quand je vois Lolo venir dire que, oh, Lolo, c'est un mot. Que ça soit un mot doux, mais ça, je pose mon pied dessus. Personne, on ne veut plus les vagabonds sur la toile, sur la diaspora camerounaise. Que ça soit mes amours, je pose mon pied sur leur tête. Et ils s'amusent de voyager avec leur âme. Celui qui devra venir sur la toile, ça sera avec un contenu. Nous avons beaucoup de sujets sociétaux. Ou sociétaux, pardon. Un sujet. Nous avons beaucoup de sujets sociétaux où on peut entrer là-dedans. Lorsque Ambo s'amuse à entrer dans les histoires de Kongosa, je pose mon pied sur sa tête. Ambo, tu es parti par la petite porte. J'ai caillé le trou là. Vous avez compris? Quand vous allez le voir, vous allez faire votre association là-bas. Oh, Flo va aller demander les. Flo va aller demander qui a fait pardon avec Ambo. Zéro, ça ne passe pas. On est là en place. On surveille la toile. Je suis le fils de la nation. Amen, Kamer. Dans les bêtises que vous faisiez avant là. On arrive de voyage avec vos âmes. Tu as vu ce qui se passe avec Messan? Il n'a pas encore vieilli. Et je ne suis même pas encore ancré dans les histoires de Messan. Ce qu'elle fait Messan, c'est la caresse. Parce qu'elle voyage avec lui. Les bêtises que vous faites sur la toile, que vous vendez le rêve aux gens. On vous voit dans les hôtels avec les cartes bleues des gens. On vous voit dans les grosses soirées à Crazy. On va t'aimer ça. Nous là, nous on va t'aimer ça. Corri côté gauche, Ambo, Corri côté droit, je suis avec vous comme ça là. Vous venez entrer dans les réseaux sociaux, ça sera dans un bon, c'est-à-dire qu'avec des thèmes vraiment où la diaspora camerounaise peut être visible. Une diaspora qui est représentée par les bordels et les escrocs, ça ne passera pas. On vous a laissé avant. Ça ne passe pas. Tu as compris, mes sangs? Tu insultes une femme, je tombe sur toi et te mange cru. Tu as remarqué, je ne t'appelle pas par un jansan. Parce qu'au Cameroun, les relations que tu as, il dit que j'ai mille fois, demande à Amot. Amot, t'as vraiment enfermé au Cameroun, non? On lui a montré que petit, le gars que tu vois là, il faut te calmer. C'est une menace. Il faut te calmer. L'adjudant-chef, Nino, le pauvre adjudant-chef, le corrompu, on est au tribunal militaire dans une affaire de corruption. Il m'a volé 800 000. Les amis d'Amot, des voleurs, un adjudant-chef du CED, 800 000 il m'a volé au CED. D'accord, au tribunal militaire. Nino, coup comme ça, gloom, grosse tête. Oui, je n'ai pas peur de vous. Je serai au Cameroun. Les élections arrivent. On va démontrer que le Cameroun, là, c'est pour tout le monde. Le Cameroun, là, c'est pour tout le monde. Faut vous renseigner. Vous arrivez sur la toile camerounaise, à tous ces vendeuses de piments. Vous avez la chance que je m'attaque aux femmes. C'est ce qui vous sauve, vous, les petits bordels des réseaux sociaux, là. C'est la seule chose qui vous sauve. Mais vous, les deux, là, Messan, tu as les histoires de femmes. Comparaison sur comparaison. Même Messan, alors c'est pire. Messan, alors c'est le lâche. Messan, tu n'insultes plus les femmes. Tu n'insultes plus Patricia. Tu n'insultes plus Natacha de Monaco. Tu n'insultes plus tous ces gens-là. Messan, tu es où? Cherche, ils sont où? Messan, tu n'insultes plus. Où sont tes produits? On cherche tes produits sur la toile, on ne trouve pas. On cherche tes produits. Messan, tes produits sont où? Amazon, on ne voit pas. Hein? Je ne vois pas de produits quelque part, boy. Parce que tu insultes les femmes tous les jours. Matin, midi, tu insultes les femmes matin, midi. Quand tu insultes les femmes, tu ne peux pas vendre, petit frère. Tu ne peux pas vendre. Je vais te traiter sur la toile. Amour, j'étais à l'œil. J'étais à l'œil. J'attends seulement que tu sortes de la tête. Je bombarde sur toi. Parce que tu pensais peut-être que je ne te vois pas venir. Flore de Léa seulement fait un commentaire dans un live.
Tu as le premier mot, il dit que oui, je vais débloquer. Oui, mon ex, il est débloqué. Ouf! Entre les fesses des femmes, il va être débloqué. Oui, il va être débloqué. Tu parles des cris, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Moi, sa mère, quand même. Je contrôle la toile camerounaise. Et c'est de ça qu'il s'agit. Merci, mon mannequin d'amour. C'est seulement comme ça que ça va se passer. Et non autrement. Et non autrement. C'est comme la toile positive. La diaspora aujourd'hui sera représentée par des femmes d'affaires, des vraies femmes d'affaires, par des vrais hommes d'affaires. La TikTokose ou l'influenceur burkinabé qui va se mettre les 5 dehors aura une condamnation de 2 ans de prison ferme avec une amende de 5 millions de francs CFA. Parce qu'il faut que vous... Vous n'avez pas encore compris. Là, il est leader. Il est calme. Que les vrais enfants du pays, je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi, il veut qu'on soit clair. Il est temps que les vrais enfants du pays récupèrent notre toile. Les professeurs d'école, les professeurs d'université, des docteurs, des sages-femmes, tous ceux qui participent à l'évolution du Cameroun de tous les jours, afin de nous aider, de nous édifier par rapport aux douleurs du quotidien. C'est important. C'est important. Il est temps que l'intellectuel, la sagesse camerounaise récupère la toile camerounaise afin que la toile camerounaise soit maintenant fière de dire que oui, j'étais dans le live de docteur tel, j'étais dans le live de la scientifique tel, j'étais dans le live de l'intellect tel, j'étais dans le live de la sage femme tel. Elle a dit ceci, j'étais le live de tel crédit praticien qui a dit que les écorces du mandé bouillies, ça soit le truc. On veut de cette diaspora là, on veut de cette, c'est ce que nous voulons. À part, je vais aider ces gens là, dis que moi, mère, ta mère, tout bordel qui lève la tête sur la toile, il veut faire son affaire. Je gère. Ne vous trompez pas. On va aussi organiser des forums où les entrepreneurs camerounais ne seront que représentés par ceux du... Le Cameroun a reçu 230 milliards de sa diaspora en 2022. En euros ou en... 230 milliards de sa diaspora, non, de partout. Non, en CFA, 230 milliards quoi. CFA ou... Ou en dollars. Selon les données du ministère, avant le Cameroun compte en avance sur le ressortissant. C'est pas, c'est pas. Le franc, c'est pas. 365 millions de dollars et 230 milliards de CFA. Bon, c'est sur Google. La diaspora camerounaise a envoyé en 2022 plus de 230 milliards de francs CFA. Ça veut dire que la diaspora camerounaise, c'est le premier investisseur du Cameroun. Les investisseurs du Cameroun, c'est Amerika Mère, c'est Oshiga, c'est Collins Nana qui est là, c'est Sandikao qui est là, c'est Paul Kamp qui est là, c'est Aïcha Kamouas qui est là, c'est tous ceux-là qui se battent matin, midi, soir pour envoyer l'argent au Cameroun afin que nos familles, déçues par le gouvernement camerounais, puissent exister. 230 milliards. On ne va pas laisser des bordels. On ne va pas laisser les bordels s'asseoir sur nos 230 milliards. Le Cameroun méprise sa diaspora. Le Cameroun méprise les 230 milliards qu'on envoie. Vous voulez parler de quoi? On va faire le plus du rou. Et les gens encore fait quoi? Oh, t'as insulté tel ministre. Oh, t'as été pour être qui? C'est pas Calibri. Il me montre la photo où je mangeais le jazz avec Calibri. Il me montre la photo où je mangeais le grec avec Calibri. À Valdez, il s'est battu avec Calibri. Il dit que, mais c'était avant, il dit que, c'est battu avec Marseillon. Il dit que, mais c'est. Ils m'ont monté en touche. Malgré tout ça, je me suis levé et je me bats tous les jours. C'est très important. Il est inadmissible. Et je dis et je répète, la diaspora camerounaise envoie 230 milliards de francs CFA au Cameroun en 2022. Et on ne peut pas chier sur nos 230 milliards. On doit se réveiller. On ne peut pas laisser les bordels camerounaises salir l'image de la diaspora camerounaise. Et pourtant, la diaspora représente 230 milliards de francs CFA. Ça ne blague pas. On joue dur. Le premier investisseur du Cameroun dans la diaspora, le premier investisseur du Cameroun, c'est la diaspora camerounaise. On ne va pas laisser que notre diaspora soit représentée par les bordels comme les Nadines Bapa. Jamais. Pas les esclaves comme les Messans. Pas les esclaves comme les Hambo. On refuse ça. On refuse ça. Notre diaspora doit être représentée par ceux-là qui se battent. Quand on est un esclave dans la diaspora, on se cache.
Parce que tout le monde connaît le Tayam. Nous, on a fait le Tayam. Quand on fait le Tayam, on ferme sa bouche. On reste tranquille. On prend et on va au Cameroun. Quand on est dans le vol, dans les smokers, dans le tchat, on ferme sa bouche, on ne parle pas fort. Parce qu'on salit l'image du Cameroun. On voit les Patricia Mel. Patricia Mel. Je deviens ta repère, Patricia. Moi, étant Soum, j'écoutais seulement. D'habitude, je commentais. Non, mais là, j'écoutais, j'étais très concentrée. J'étais en train de noter ton patrimoine. Je notais. J'étais en train d'évaluer combien je peux me faire en étant ta repère. J'ai entendu une sale bordel là, une carriériste de la pimenterie. Qu'est-ce dit que carriériste pimenterie. Lolo. Je n'aime pas ce que tu. Je demande non, c'est Lolo. C'est pas avec ma bouche chaude que tu as mangé piment. Mm-mm. Moi, je n'aime pas le piment. Utilise ta bouche. Lolo, c'était pas la carrière. Lolo, c'était la poste centrale. Non, ça ne va pas. Pardon, voilà. L'autre là. Oui, c'est qu'elle est mollet. Elle est mollet. Bon, on finit. C'est qu'elle est mollet là, elle peut vendre. Il faut être un peu jolie. Aïe. Ah ouais, tu peux s'arrêter sur son comptoir. Bon, je continue. Je n'ai pas fini. Pardon. C'est mon repéroïsme. Pardon. On va faire le plat avec elle. Elle-même, elle est repéro de quelqu'un. Oui, mais moi, je peux être sa repéro. Comme celle-là a dit que je cherche l'amitié. Parti, ça, moi, je cherche l'amitié. Hey, je veux des copines qui ont des gros pavillons. Tu aussi fais le Jansan. Tu aussi fais le Jansan. Non, pas toujours, je ne fais pas le Jansan. Même si elle fait, elle ne fait pas. Toi, non, pas toujours. Tu es la meilleure. Tu as le pavillon. Mais tu entends même bien. Laisse-moi aller travailler. Tu penses qu'on achète le poulet là avec moi. On ne va pas les allocations. Hein. Encore pardon. Là où elle fait son live dans son petit couloir, son petit coin, coin. C'est là avec les chaises du Cameroun. Comme... Chez la milliardaire, tu vois le derrière, le papier peint. Tu confirmes que tu es dans un immeuble haussmannien. Je sais ce que c'est un immeuble haussmannien. J'arrive ouais, dedans. Ouais, laisse-moi finir de parler. Ouais, t'es pimentier là. Et bon, pardon. Si tu veux pas. Ça arrête de rire. Réponds. Hein. On va nous présenter la diaspora. Et quand on est Camerounais et honnête, on dit non à Paul Biya en 2025. C'est pas quelque chose qu'on discute avec ça. On dit non à Paul Biya en 2025. Il est trop vieux. Laissez le jeu aller se reposer. Bertrand, on va prendre le pouvoir, on quitte ça. Bertrand Motazé, prend le pouvoir, on quitte ça. Bertrand Flambia, prend le pouvoir, on quitte ça. On ne fait plus le Paul Biya en 2025, c'est clair. Vous avez pris, on vous dit ça. Alors, pendant ce jeu, nous donnons 232 milliards. Je ne connais pas un gouvernement, un ministère au Cameroun qui produit 230 milliards de francs CFA au Cameroun. Envoyez-moi le nom de ce ministère-là. J'écoute. Envoyez-moi le nom du ministère qui produit 230 milliards de francs CFA au Cameroun. Voilà pourquoi j'exige et je demande que la diaspora camerounaise mérite sa diaspora. Son ministère, il nous faut un ministère de la diaspora. On a le droit, le devoir, l'obligation d'exiger ça. Que ça plaise ou pas. C'est ça qui est la vérité. Alors le reste maintenant. Oh, amen, amen. Non, je vous dis une vérité. Nous devons faire le sale boulot. Tous les bordels de la diaspora sur la toile, on doit les éclater. Si tu as une bordel sur la toile, tu mets le prix, je veux le piment de 200. On sait que non, toi tu as une bordel, on ne va jamais te toucher. Jamais. Nous avons des ingénieurs qui ne veulent pas monter sur la toile. Je vais prendre le cas d'un seul, je vais prendre Anango. On a le complexe de voir un angovéli dire qu'il est ingénieur. Parce qu'aujourd'hui, sur la toile camerounaise, quand tu dis que tu es ingénieur, tout le monde t'insulte. Ouais, c'est bon, il a trouvé. Mais tu as tout mangé, non, ça ne finit pas. Non, il y a des deux boîtes, non. Ça, il met ça au cas où tu me mets dehors. J'ai au moins deux visées qui vont descendre avec. Moi, quand je viens à Paris, j'ai mes deux, moi, j'ai mes boîtes, j'ai comme ça dans la voiture 10. Ouais, c'est. Je n'appelle pas quelqu'un pour dire que, allô, oui, gars, c'est comment, tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôtel là. Non, je ne peux pas comme ça. Il parle des kilomètres pour se faire payer l'hôtel à Paris. Il va se lever dans les réseaux sociaux pour se vanter que, oh, je suis à l'hôtel. Vous êtes à l'hôtel avec les quartiers bleus des gens. Vous allez au Cameroun, dans les immeubles, dans les immeubles des gens. Vous mentez matin, midi, soir. Et vous dites que vous représentez, mais vous représentez quelle diaspora? Vous n'avez pas honte? Des parvenus. Vous allez porter plainte au Cameroun parce que le Cameroun, ça pue la corruption. Ça pue la merde. Voilà pourquoi vous allez porter plainte au Cameroun. Vous donnez l'argent. En mode dédicace à tout le monde. Le gars qui m'a arrêté, Amout, Big up à Nino, l'adjudant-chef qui est au sein, un escroc, je dis Nino, attends, prends mon autre téléphone, je vais monter sa photo. Voilà. Nous, quand on parle, on a les preuves. On ne parle pas sans les preuves. Je vais vous montrer la tête. Vous allez voir le tour là. Comme ça, on parle avec les preuves à la pub. Maman, ferme la porte, tu vois, là-bas, ça. J'en vais vous dire cette vérité là, parce que quand on ne parle pas, vous avez l'impression que oh, vous êtes trop fort. Non, vous n'êtes pas fort. Au CED à Yaoundé, le gars qui a interviewé Bruno Bidjan, c'est un escroc. Il m'a volé 800 000 francs CFA au CED. Avec la compte de demain, qui repose dans les mains des escrocs. Allez, go, allez voter Paul Biya, allez voter Paul Biya. Attendez. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas, ça arrive.
J'ai posté ça sur ma page. Et ne peut pas vous louper. Ne peut pas. Je ne peux pas vous louper, la famille. Je vous l'avais lire. Ce n'est que le début. Aussi, remontez dans mon Facebook. Tu vas voir une vidéo là-bas. Il y a un monsieur là. Il a, là où je suis, comme ça, il va en train de m'arrêter là. Cherche-moi la vidéo là. Tu me montres ça, pardon. C'est ça que vous voulez dire que quoi? Il faut qu'on mette le respect. Ils doivent avoir peur de nous. Je vous dis, je vous dis, allez-y, flash la page. Les gars, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Quand on n'est pas avec eux, ils flashent la page. Ils flashent la page. Non, 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 je ne serai que le début. Oh, encore ça. On tapote, on tapote, on tapote. Merde. Parce que j'ai du talent. Voilà, je vais vous montrer la vidéo. Attends, je vais vous montrer la vidéo. Regardez la vidéo aussi. Regardez la vidéo. C'est le monsieur qui est à côté là-bas. Le gars qui a un pantalon vert là, c'est l'adjudant Chop Nino. À l'époque, maintenant, apparemment, il est passé, si c'est quoi, je ne sais pas. Le voyage dans son bureau, il a amené les gens pour qu'on me filme. Avec la complicité de la motte. Il a envoyé la vidéo là à Amour. Regardez bien. Regardez bien la vidéo. C'est sur ma page de Facebook. C'est sur ma page. Voilà la vidéo là. Il va venir me parler. Le voilà qui a marché avec moi là. Après m'avoir volé 800 000. Voilà la vidéo. C'est de ça. C'est le Cameroun là qu'on veut. C'est le Cameroun là qu'on veut. Ils sont incapables de trouver celui qui a tué Martinez Zogo. Et pourtant que tout le monde sait celui qui a tué Martinez Zogo. Faut qu'on soit crédible. Il faut qu'on soit crazy. C'est notre devoir. Non, tu vas finir avec. Ouais, j'ai fini avec. Donc c'est important. C'est très important. Oui. À un moment donné, il vous mange ça. Il vous mange ça avec quoi? Ça dépend. Oui. Adama, on peut être l'air comme ça. On peut être quoi? On peut être l'air comme ça. Quand tu me regardes, moi, t'as quel l'air? Non, mais quand il te voit comme ça, il sait que non, mon frère, il faut faire la chirurgie, hein. Non, quand... Il faut faire la chirurgie, il te dit déjà. Il dit, quand tu regardes mon visage, ton visage, qui elle est? Ah tu as moi et toi, qui elle est? Non, je vais te poser une question. Dis-moi un peu, on est entre nous, est-ce que tu as fait l'accident? Il fait quoi? Est-ce que tu as fait l'accident? Pourquoi tu as fait l'accident? Parce que c'est la tête, hein. Tiens, hein? Tête, Jean-Jean. Tu viens du continent, c'est ça? Tu viens du continent, c'est ça? Je n'ai pas dit que tu viens du continent. Je n'ai pas. Tant tu. Oh, mon petit, n'aie pas peur. Ne tremble pas, ne tremble pas. Calme-toi, calme-toi. Moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur de qui toi. N'aie pas peur. Mon petit, n'aie pas peur. Ne tremble pas. Attends deux secondes. Bon, les gens de Facebook, je coupe Facebook. On se reconnaît demain matin. Je suis sur TikTok. Pour ceux qui sont sur Facebook, descendez sur TikTok. Ça chauffe sur TikTok. Les 314 personnes qui sont là, je vous remercie à tous mes donateurs, syndicats, tout le monde. On balance tout sur TikTok. Merci la famille.